là ça va pas. Oh là je suis là. C'est moi que voilà. Ça va être la joie. Au nom de la loi. Moi je vous arrête. Je vous arrête là. Go, go. Gadget à main. Yes. Gadget au chapeau. Gadget, les bandits sont là. Inspecteur Gadget, ils n'échapperont pas. Si l'inspecteur fait gaffe, fais gaffe au Gadget, qui marche ou marche pas. C'est vous, chef? Où ça? J'arrive tout de suite. Veuillez aller plus vite, mon cher gadget au rasoir. Bonjour, oncle gadget. Voilà ce que j'appelle du travail bien fait. Le chef a dit qu'il voulait me voir. Go, go, gadget au cou. Chef, comment avez-vous fait pour entrer là-dedans? Ne parlez pas si fort. Voici vos instructions. Nous soupçonnons un complot de MAD visant à voler l'or de la ville. Stop. Rendez-vous à l'hôtel de la Monnaie afin d'empêcher ce vol. Ce message s'autodétruira après lecture. Toujours prêt pour le service, chef? Oh non! À bientôt, chef, et bonne journée! J'en ai pour 2 minutes. Gardez-moi du café au chaud. Fais bien attention, oncle Gadget. Go, go, Gadget aux portes de garage. Fino, tu vas suivre oncle Gadget. Hey, mais c'est l'inspecteur Gadget. Idiot, ce vieux. Oh bon sang, il faut absolument que je rattrape l'inspecteur Gadget. Vroom, vroom, vroom. Ouh, inspecteur Gadget. Grand inspecteur Gadget, attendez-moi. Tiens, on dirait que quelqu'un vient d'appeler le grand inspecteur Gadget. Go, go, Gadget oreille. Ouah, grand inspecteur Gadget. Qu'est-ce que je suis content de vous voir? Mais c'est pas une raison pour crier comme ça. Je suis pas sûr, figurez-vous. Bon alors, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis le brigadier Kaufman. Je suis prêt à obéir à vos ordres. Vous êtes prêt à obéir à quoi? À mes ordres?
Pourtant, le chef ne m'a pas dit qu'il m'a envoyé du renfort. Je suis volontaire, grand inspecteur. Je veux devenir votre assistant. L'inspecteur Gadget travaille toujours seul, brigadier. Il va falloir vous porter volontaire pour autre chose. Go, go, Gadget aux voitures. Il est idiot, ce vélo. Ce sacré Gadget, il faut toujours qu'il se mêle de mes affaires. Je vous écoute, honorable docteur. Nous risquons d'avoir des problèmes, ninja. L'inspecteur Gadget va venir à l'hôtel de la Monnaie. Qu'attendez-vous de moi, honorable maître? Je veux qu'il soit éliminé. Il sera fait comme il vous plaira. Adieu, Gadget. Go, go, Gadget aux lunettes. Bon, voilà donc le fameux immeuble. Tout a l'air normal. C'est pour ça que ça me paraît louche. Bonjour, messieurs. Je suis l'inspecteur Gadget. J'ai pour mission d'empêcher le docteur Gong de voler l'or de l'hôtel de la Monnaie. Vous n'avez rien vu de suspect pour l'instant? C'est bien ce que je pensais. Je vais tout de même aller jeter un petit coup d'œil. Bien le bonjour, messieurs. Go, go, Gadget aux roues. Aïe! Oui! Ne vous dérangez pas, messieurs, ça va aller. Je suis l'assistant de l'inspecteur. Ah, les cordes, elles vous grattent. Non, je vous en prie, ne me remerciez pas. Allez, bonne journée. C'est bizarre, personne ne vient répondre. Brigadier Capman, je viens recevoir les ordres, inspecteur. Je n'ai pas besoin de vous. De toute façon, il n'y a rien d'anormal. Tout est calme et tranquille. Peut-être qu'il y a un voleur café là, quelque part, déguisé en cactus. J'ai regardé partout, brigadier. Je n'ai rien vu de suspect. Il y a tout de même une fenêtre ouverte tout là-haut. Ça ne vous semble pas curieux? Hein? Ah, vous avez peut-être raison, Capman. Je vais aller voir. S'il y avait eu un peu plus de vent, j'aurais pu voler jusqu'à cette fenêtre. Attendez, attendez, je sais ce qu'il faut faire. Go, go, Gadget au copter. Oh, il est formidable. Vous allez regarder ce qui se passe là-haut, et moi, je surveille les alentours, d'accord, patron? 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 Ça sonne pas si mal que ça. Prévenez-moi si vous voyez quelque chose de suspect, Capman. Rien n'échappera à mon œil de laine, inspecteur. Ça, c'est bizarre. Il n'y a rien qui cloche jusqu'à présent. Je vais finir par croire que le chef s'est trompé. Voilà le dernier lingot. On les a tous ramassés, chef. Parfait. Nous n'avons plus qu'à tendre un piège à Gadget et à poser cette bombe. Comptez sur moi, je vais m'en occuper. Fino ? Dis-moi ce qui se passe. Il y a des agents de Matt sur le toit de l'hôtel de la Monnaie. Ils vont emporter les lingots d'or. Oncle Gadget est dans l'immeuble et ils vont lui tendre un piège, poser une bombe. Essaie de les en empêcher, Fino. Moi aussi, je m'en occupe. Je vais leur faire voir qui est le brigadier Capman. C'est bien curieux, toutes ces flèches. S'ils croient m'avoir, ils se trompent. Ils ne me connaissent pas encore. Go, go, Gadget au patin. Oh,
Il faut qu'on fiche le camp d'ici avant que ça explose. Du calme, honorable coyote, nous avons encore 2 minutes devant nous. 2 minutes? Ah! C'est intelligent. Quelqu'un a coupé la lumière. Go, go, gadget aux lampes. Fais tout ce que tu peux pour gagner du temps, Fino. Je contacte le chef Gontier et j'arrive tout de suite. Quoi? Ils osent m'envoyer un chien? Je vais leur montrer comment je me défends. Veux-tu lâcher ça? Oh, ma gamme, Selvette! Attends! Tu vas voir toi! Oh. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'hélicoptère de Mad? Je serais bien content de le voir arriver! La misérable bombe explosera à midi. Regardez-moi ça! Leur dispositif de sécurité n'est pas à l'heure. Heureusement que je suis là pour réparer cette erreur. Voilà! Viens ici! Je veux que tu me rendes la cape! Ah, cette fois, je vous tiens, bande de voleurs, rendez-vous! Attrapez-le! Allez! Ah, mais arrêtez, voyons, vous n'avez pas le droit de faire ça! Je suis le brigadier qui est Capman! Bien, bien, Gadget a pris un assistant? Oh, you try! Débarrassez-moi de cette misérable bestiole! Mais ne reste pas là comme ça, lève-toi, bougre de... Attention, je sens que je vais m'énerver! Je fais du karaté, moi! Je vous avais prévenu! Personne ne peut arrêter Capman! Non, mais... Oh, voici l'hélicoptère. Mais pourquoi y en a-t-il 4? Rendez-vous immédiatement, l'immeuble est cerné. Vite, sauvons-nous, sinon on est cuit! Ne vous inquiétez pas, je contrôle parfaitement la situation! Mais qui est donc ce monsieur si courageux? Je suis le brigadier Capman, le nouvel assistant de l'inspecteur Gadget. Tiens, tiens, je ne savais pas que Gadget avait pris un assistant, mais je dois reconnaître qu'il a très bien fait. Donc le Gadget est enfermé dans la chambre forte avec une bombe? Cette fois, je vous tiens. Vous vouliez voler ce magnifique réveil, n'est-ce pas? Gadget. Oh, chef, qu'est-ce que vous faites là? C'est votre réveil, peut-être. Vous devriez le faire réparer. Ne vous en faites pas, Gadget. Nous avons récupéré les lingots d'or. Tout cela grâce à vous et à votre merveilleux assistant. C'est toujours ce que je dis, chef. Il faut avoir du talent pour découvrir le talent. Ah oui, vous avez raison, Gadget. Vous ne pouviez pas trouver quelqu'un de plus doué et de plus courageux. J'ai dit que Gadget devait être éliminé. Faites venir Ninja. Vous m'avez demandé, honorable Dr. Gong. Tu as raté ta mission, Ninja. Non, écoutez... Tais-toi! Tu n'as aucune excuse. Si tu veux sauver ta peau, il faut que tu me débarrasses de Gadget et de son assistant tout de suite. Et toi, Matcha, tu te demandes où il est passé, hein? Eh bien, il est allé s'occuper de Gadget. Ma maison nous servira de quartier général, Capman. Je vais la survoler. Faut pas que je perde l'entraînement. Oula! Aïe! Oula! Oui, en bas du... Je ne vois rien à l'horizon, grand inspecteur Gadget! L'ennemi ne nous a pas suivis! Capman, c'est extraordinaire! Vous êtes très vigilant! Bravo! Non, je n'entends pas le moindre bruit de sabots, inspecteur! Eh bien, tant mieux, Capman! Venez, entre chez moi! Oncle Gadget, tu n'as pas débranché la sécurité! Non! Aïe! Sabot, la sécurité de votre porte! Ça marche à merveille! Je vous remercie, Capman. Venez à présent, je vais vous faire visiter. Ah.
Encore, docteur Gant. Go, go, gadget au bras. Qu'est-ce que tu veux, Fino? Vous êtes en état d'arrestation. C'est rien, c'est Oncle Gadget qui parle dans son sommeil. Allez, laisse-moi. Chut, honorable petit chien, calme-toi. Viens par ici. Non, il est trop tôt, Fino. Retourne te coucher, laisse-moi. Coucou, inspecteur Gadget, il est l'heure de se lever. Tandis, Gadget, j'ai dû me coucher trop tard hier soir. J'ai encore envie de dormir, moi. Oncle Gadget, mais qu'est-ce qui se passe? Fino, qu'est-ce que tu fais ici? Je crois bien que Fino veut son petit déjeuner. Mais il est minuit. Il y a un voleur dans la maison et il a voulu attaquer Oncle Gadget. Quoi, un voleur? Mais c'est impossible. Personne ne peut entrer grâce au système de sécurité. À moins de ne pas passer par la porte. Arrêtez, ça y est, je suis prêt. Toi, maman. Sortez-moi tout de suite de là, sinon je me fâche. Oh non, stop, je me rends. Arrêtez, hein. Je vais voir ce qui se passe. Bon, oh, ça alors. Ah, mon misérable fessier, il est incompote. Encore une fois, vous avez fait du beau travail, Chapman. Vous l'avez rapidement neutralisé. Oh, ça n'a pas été bien difficile, grand inspecteur Gadget. Il a suffi que je surgisse devant lui comme ça et il a été pris de panique. J'aurais difficilement trouvé mieux comme assistant, vous ne trouvez pas? La prochaine fois, Gadget, je te jure que je t'aurai. Tu sais, Sophie, il ne faut pas faire de vélo avec des vêtements ou un foulard qui flotte au vent. Il pourrait se prendre dans la chaîne ou dans les rayons et tu pourrais te faire mal. Vroom, vroom, vroom. Il ne faut rien laisser traîner, car en prenant de la vitesse, bien des choses peuvent arriver. Ah, je vais me casser là. Et là qui va là? Et là ça va pas? Oh là, je suis là.
ça va être la